et bienvenue dans Inspire, le magazine du bien-être et du bien-vivre. Depuis les années 60, le monde occidental découvre ou redécouvre des pratiques asiatiques telles que le yoga, le tai chi, le qigong et tous les arts martiaux sans toujours bien comprendre les fondements philosophiques ou spirituels de ces pratiques. Mais c'est très intriguant. Mon invitation du jour est donc la suivante. Et si on s'inspirait de l'Asie ? En japonais, Do signifie voie. C'est le chemin sur lequel on s'engage pour apprendre à se connaître et se réaliser. Il existe de très nombreuses voies et j'en ai exploré quelques-unes. On ne le croirait pas ni à ma tenue ni au décor, mais je suis en Ardèche, au centre zen de la Falaise Verte, où j'ai été initiée au Kyudo, la voie de l'arc. Rien à voir avec le tir à l'arc occidental, il s'agit bien d'une démarche spirituelle, mais très belle à voir néanmoins. De la même manière, j'ai découvert le Shodo, la voie de l'écriture ou calligraphie japonaise, grâce à Sandrine Hamaguchi. J'ai découvert que le pinceau devait être le prolongement du bras et le trait, le prolongement de la respiration. Et puis j'ai quitté l'Ardèche pour Valence, où j'ai pris mon tout premier cours de Qigong. Et là, au beau milieu du parc Jouvet, j'ai découvert le pouvoir de l'intention. C'est absolument incroyable. Voilà exactement 30 ans, un homme qui vient de passer 7 ans dans un monastère zen à Kobe, au Japon, rentre en France à la demande de son maître pour transmettre ce qu'il a appris. Et c'est ici, dans cet écrin de verdure, à Saint-Laurent-du-Pape, en Ardèche, qu'il fonde un monastère zen, le centre de la Falaise Verte. Et c'est aussi ici que j'ai été initiée au Kyudo, littéralement la voie de l'arc. Allez! Dans nos cultures occidentales, quand on apprend quelque chose, les élèves souvent posent beaucoup de questions. Comment, pourquoi, d'où ça vient, à quoi ça sert. Mais au Japon, c'est très différent. L'essentiel de l'enseignement passe par l'observation. Les maîtres donnent peu, voire pas d'explications. Ils font et les élèves répètent le geste. Donc là, mon enseignement a déjà commencé, j'observe. Ce qui me permet de profiter pleinement du spectacle. Et c'est très impressionnant. Claude, vous pratiquez le Kyudo depuis 10 ans et en tant qu'archer le plus expérimenté du centre des Falaises Vertes, Maître Gyoji, fondateur de ce centre, vous a donné pour mission de me initier à cette pratique. J'ai lu quelque part que l'arc était le prolongement du bras, la flèche le prolongement de l'arc, voilà. Et la cible le prolongement de l'archer. Voilà. C'était peut-être dans un livre de Maître Gyoji. Sûrement. Ça part loin, 28 mètres. Hein. Oui, 28 mètres, et ça rentre bien. Hein, vous avez vu ? C'est une arme, hein, quand même. Oui, ça reste une arme. C'était, c'était une arme de guerre. Hein. Oui. Avant, une arme de guerre et une arme de chasse. D'accord. Qui avant met, de devenir un outil de réalisation voilà, personnelle. Voilà, c'est devenu, c'est transformé en voie. C'est la voie, maintenant, de l'arc. La Mais voie de l'arc. Vous pensez que c'est quand même une arme. Donc, ce qu'on comprend bien dans, le, dans cette pratique, c'est qu'il y a deux piliers importants. Le travail en groupe. Voilà, c'est ce qu'on est en train de voir. Ce qu'on voit en ce moment. Et le travail individuel au moment du tir. Tout à fait. Donc, dans un premier temps, on porte attention aux autres. Vous avez celui qui est rentré en premier, qu'on appelle le Omae, qui, lui, donne la cadence, le rythme, hein, et les autres suivent et ne vont pas plus vite que lui. Ça, c'est très, très important. C'est la première phase du Kyudo. Dans un second temps, le Kyudoka se concentre sur lui-même et porte toute son attention sur son tir. Voilà, tout à fait. Ça y est, maintenant, il est dans son tir, dans sa respiration surtout aussi. Quand il élève, ce mouvement d'élévation de l'arc, il est en expiration. Chaque mouvement se fait en rythme en même temps que la respiration. D'accord.
Et là, quel que soit le nombre d'archers et quelles que soient leurs années de pratique, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de grade pas à proprement parler. Non. On ne fait pas bien ou mal, on fait. Non. Et pas de jugement surtout, c'est ça. C'est à moi d'essayer. Allez, on y va. Voilà, le gant qui va servir à tendre l'arc, le pouce qui est très dur, et vous avez une marque ici, et ça, c'est ce qui va servir à tenir la corde. D'accord. C'est le gant qui tire la corde. Vous allez faire comme si vous entourez un arbre avec votre... Voilà. Et vous êtes, vous avez entouré là, vous êtes au milieu. Voilà. Vous voyez, là? On le laisse bien droit, hein, quand on le remonte. Inspire, expire, on va jusque là. Ça, c'est le deuxième mouvement. Et là, vous ouvrez et vous pouvez essayer de lâcher pour voir ce que ça donne. Voilà. Il doit être un petit peu plus haut. Ouais. C'est le premier jour, hein. Je rigole parce que j'ai loupé la botte de paille. Mais c'est pour ça que on tire jamais. On tire jamais le premier jour. Comme je suis dans ma tête en train de penser à respecter tous les conseils, bah pendant que je pense à tout ça, la flèche, etc., et bah j'oublie mon environnement. Et la botte de paille, je crois que dans un sens, je ne la vois pas vraiment. Oui. Et c'est seulement une fois que j'ai décoché que je me dis. Bah, je l'ai raté. Le kyudo, en fait, justement, c'est pas seulement une pratique sportive, comme le tir à l'arc à l'occidental, ce sera même avant tout une voix. Kyudo. Do, c'est voix. Mais c'est un concept qui est très compliqué pour nous, les occidentaux, c'est une voie de réalisation de soi. Ouais. Mais alors, est-ce que vous, dans votre vie quotidienne, certains d'entre vous pratiquent depuis 10 ans? Oui, ça modifie le comportement, la manière de vivre, oui. Oui. Qu'est-ce qui a changé? Le rapport avec les autres, oui. Le travail sur soi, la manière d'accepter certaines choses, de faire abstraction de d'autres. Enfin, on se retrouve vraiment comme dans le zen, où on médite. Mais ça change, oui. Après 10 ans, oui. Ouais. Mais alors, toi, tu es une très jeune kyudoka. Ça fait quelques mois que tu as commencé. J'étais déjà venue des fois, et puis... Et puis Maître Joji m'a proposé de venir et après j'étais bien, du coup je suis revenue. D'accord. C'est une voie très longue, hein, le kyudo. On refait toujours le même mouvement. Oui. Hein. Vous avez vu, oui, c'est oui, toujours oui, le même oui, mouvement. Oui. Ça fait 10 ans qu'on fait le même mouvement, mais avec des phases où vraiment on est en bas. Et peut-être Nicole peut vous en parler. On a des périodes de grands, grands creux. Mais il faut tenir. C'est tout à fait révélateur de l'état où on est, dans lequel on est aujourd'hui. Et d'accord. Quand on n'est pas très très bien, ben, le kyudo ne fonctionne pas du tout. Donc, mais en même temps, c'est un enseignement, ça vous dit qu'en ce moment, ça ne va pas pour vous. Et ça permet aussi de voir que, bon, on s'accroche, enfin, moi je me suis accrochée, et après, à un certain moment, on a passé un cap. Mais alors du coup... C'est vraiment, moi je t'appelle ça un chemin. D'accord. Et alors par contre, vous avez un jour où vous êtes bien, centré sur vous, vous tirez les flèches, elles vont toutes seules dans la mato, dans la cible. Ce jour-là, vous savez que vous êtes bien. Mm. Vous n'avez jamais besoin de viser. On ne vise jamais. Hein. Ce n'est pas comme un arc occidental où on vise. On regarde. On regarde la cible. Hein, vous avez vu. On change. Mais on ne vise pas. D'accord. Et quand vous êtes vraiment bien, la flèche, elle va dans la cible. Donc c'est ça, il faut en même temps maîtriser la technique, mais surtout avoir cet état intérieur apaisé pour que la flèche aille là où elle doit aller. Voilà. Là où on souhaite qu'elle aille. Le kyudo, c'est le beau. Le bien et le vrai. Ah oui, c'est le max. Le beau, le bien, le vrai. À
pour comprendre les fondements du Kyudo et surtout pour comprendre ce fameux concept d'O, la voie de la réalisation de soi, je me suis plongée dans cet ouvrage Kyudo tire à l'arc zen, dont l'auteur est le maître Taikan Jyoji, le fondateur du centre zen de la Falaise Verte. Comme il est un occidental formé au Japon, il a su trouver les mots pour s'adresser à d'autres occidentaux. Et c'est presque un premier pas vers une démarche spirituelle. Alors si le mot spiritualité vous effraie, vous pouvez trouver une autre voie, une voie philosophique. Du bonheur, un voyage philosophique par Frédéric Lenoir, un voyage qui commence dès l'Antiquité grecque. Et dans les derniers chapitres, eh bien, l'auteur expose les points communs qui existent entre les pensées de certains philosophes occidentaux, comme Montaigne ou Spinoza, points communs avec les grandes sagesses orientales, comme le taoïsme ou le bouddhisme. Et du coup, pour nous occidentaux, bah, c'est une voie d'accès, une voie de compréhension très facile. Frédéric Lenoir, je vous l'offre, Nicole, pour vous remercier de m'avoir vêtue dans la plus pure tradition. Et puis Claude, s'il vous plaît, si vous voulez bien transmettre l'ouvrage que j'ai lu à Maître Jyoji pour qu'il me dédicace, ça me ferait plaisir. Donc vraiment, merci beaucoup pour votre patience et votre disponibilité. Il y a moins d'une heure, dans le parc Jouvet, au cœur de Valence, dans la Drôme, j'ai découvert, et c'était vraiment surprenant, le pouvoir de l'intention. L'intention, la respiration, le geste juste sont les trois composantes essentielles du Qigong, une sorte de gymnastique pratiquée en Chine depuis le 5e millénaire. Et c'est une branche de la médecine traditionnelle. Premier cours ce matin, donc tout en douceur, avec Laurence Nicolas. Les pieds parallèles, de la largeur des épaules, on fléchit les genoux. Et ensuite, à partir du centre, on tourne pour envoyer les bras. Donc poussez bien le sommet du crâne vers le ciel, le regard reste devant. Depuis la terre, pour dérouler votre mouvement, en quelque sorte, on attend que le déroulé du dos entraîne les bras, ce qui va permettre d'alléger dans les bras. Laurence, le Qigong, et littéralement, ça veut dire la maîtrise de la respiration. Mm-hmm. On le traduit aussi parfois par la maîtrise de l'énergie. C'est plus intéressant de l'entendre comme la maîtrise du souffle. Parce que le qi, en fait, c'est traduit comme énergie, mais la traduction des souffles est plus... Oui, est plus juste. Littéralement, plus juste. Le qi, c'est le souffle. C'est les souffles en général. Souffles. Parce qu'en fait, les différents types d'énergie qui existent dans le corps sont qualifiés de cette manière. Et dans la perception qu'on peut en avoir, c'est plus parlant. Laurence, ce geste-là, c'est pourquoi ? Là, c'est pour toujours aller dans la détente. Et en fait, on suit le sens de circulation là, des méridiens yin. Là, le sens des méridiens yang. Si on le fait en conscience, il y a quelque chose qui est assez différent dans le corps. On est en contact avec l'intérieur du corps. On ne reste pas que dans un contact de surface. On rentre un peu, en fait. En montant et en descendant. En Chine, c'est vraiment considéré comme un moyen de prévention pour la santé. Oui. À la fois pour l'entretien du corps, la souplesse, les muscles, les tendons, les organes, mais aussi une certaine santé morale et mentale. Après, c'est vrai que là, ça fait un petit moment que j'enseigne, donc j'ai déjà eu l'occasion de voir des personnes qui ont vraiment bougé sur des problématiques spécifiques. J'ai eu plusieurs personnes qui étaient atteintes de fibromyalgie, qui allaient dans des centres antidouleurs régulièrement. Et à un moment donné, dans la pratique, elles n'y sont plus allées. Donc c'est très concret, elles ont retrouvé un confort de vie qui était énorme. Montez, enroulez les doigts un à un, petit doigt annulaire, majeur, index, pouce, serrez contre la poitrine, puis montez, poussez vers l'avant. La discipline allie une sorte de danse ou de gymnastique, des mouvements d'ouverture plutôt lents en général, la respiration qui va avec, et l'intention. Exactement. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est l'intention ? Ben, l'intention, c'est relier le plan du mental avec le plan de la matière, le plan du corps en fait. Hein. C'est simplement ne plus dissocier, c'est que tout doit converger et aller ensemble. S'il n'y a pas d'intention, ça va rester un petit peu inerte. Et donc là, Richard, tu viens appuyer sur ma nuque. Vas-y. Voilà. Même si j'essaie de m'enraciner, il me pousse très facilement. Donc là, si j'essaie de monter les occiputes, donc je relâche légèrement le menton, ça va relâcher la mâchoire. Et je monte en arrière. Voilà, vas-y. Voilà. Appuie. Voilà. Ah oui. Voilà. Donc ça vaut le coup de le faire par contre. Hein. Ok. Oui.
Oh, c'est phénoménal. Et c'est magique et c'est immédiat. C'est-à-dire que le simple fait de me mettre dans l'intention de tirer ma tête vers le ciel et de mettre mes jambes dans le sol, je suis alignée, mais tu pousses avec la même intensité et je bouge pas. Si je me crispe, je tombe tout de suite, et si je suis toute molle, je tiens pas non plus. Mais du coup, dans votre vie de tous les jours, comment est-ce que ça impacte votre vie quotidienne? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça a changé? Déjà, pour ce qui me concerne, ça dénoue les articulations, parce que quand on commence à vieillir, on est un peu raide de partout, et du coup, ça, voilà, mettre l'intention, par exemple, sur les épaules, ça aide à être plus souple, à faire des mouvements plus facilement. Je n'étais pas en dispute avec mon corps, mais en tout cas, je me réconcilie avec lui dans le sens où je le redécouvre, et puis où j'ai l'impression d'avancer dans le bon sens, dans le sens de m'en servir correctement, à peu près. Ouais. C'est pas encore ça. On est continuellement dans ce rapport calme. Apaisé. Apaisé, on est apaisé, voilà. Et puis plus fluide, plus... Et ça, c'est conscient. Et donc, c'est quand même quelque chose qui est très agréable. Moi, je m'en sers pour tous mes échauffements, pour me préparer à rentrer sur scène. En fait, c'est une question aussi d'attention, d'être conscient qu'on va, à un moment donné, monter sur scène. Mais il faut s'y préparer, parce que c'est quand même un truc qu'on fait comme un saut dans le vide. Voilà, faut se préparer à ça. Et moi, ça me prépare le corps, ça me prépare aussi la concentration, la disponibilité, ça prépare à être présent, le plus présent possible. Ça apaise la relation avec l'autre, ça fait des choses beaucoup plus... Donc dans les rencontres qu'on fait dans la vie, après, c'est plus sympa, quoi. C'est moins... Ça assouplit. Ouais, ça assouplit, ça ouvre et ça fait du bien, quoi. Ça fait vraiment du bien. Bon, bah merci. Voilà. Oh, quelle découverte. Merci beaucoup. Merci, Laurence. Puis merci hein, pour votre accueil. Merci beaucoup. Ah, mais ça fait très envie. Ouais, ouais. Rejoindre ? Est-ce que vous voulez nous rejoindre ? Pour quoi faire ? Pour pratiquer le Qigong. Le Qigong ? Rendez-vous le 12 janvier. Le 12 janvier. À 14h. Au gymnase Léo Lagrange à Valence. 26 000 drômes. Vive la Drôme, vive le Picodon ! Là, tout de suite, j'ai un pied en Ardèche, dans un vignoble bio situé tout près de Tournon-sur-Rhône et un autre au Japon, parce que je viens d'être initiée à l'art de la calligraphie japonaise, le Shodo. Shodo signifie la voie de l'écriture, entendez, la voie de la réalisation de soi par l'écriture. Grâce à Sandrine Hamaguchi, j'ai entreaperçu ce qu'était cette voie et ce qu'il fallait chercher. Une simple découverte, mais qui m'a remplie d'un grand plaisir. En gros, avec mon pinceau, j'ai fait des pâtés, des gribouillis, mais dans la joie. Bon, Sandrine, je me suis entraînée à dire votre nom, mais je ne suis pas sûre d'y arriver parfaitement. D'accord. Bien. Vous appelez Sandrine Hamaguchi. C'est parfait, c'est ça. C'est pas mal, hein ? Oui. Ah, super. Vous avez vécu 10 ans au Japon, à Kyoto. C'est là que vous avez été initiée à l'art de la calligraphie. Oui. Et en rentrant en France, vous aviez envie de transmettre ce que vous aviez appris auprès d'un maître reconnu dans le pays. Je continue quand même à étudier. Et quand je vais au Japon, je vais voir mon professeur et j'essaie de le voir régulièrement pendant mon séjour. Et de toute façon, c'est quelque chose qu'il faut entretenir. C'est un travail permanent, la calligraphie. Je vous ai amené un petit animal ici. C'est un blaireau japonais. En fait, le tanuki, alors pourquoi je l'ai amené? Parce qu'avec les poils de cet animal, on fait les pinceaux. Donc ensuite, il y a de l'encre liquide et de l'encre que vous avez ici, de l'encre en bâton. Pour faire son encre, en fait, il faut entre 20 et 30 minutes. Pourquoi on fait son encre, en fait? C'est déjà pour se poser. Je me recentre, en fait, sur moi-même et je vais commencer à frotter. Et là, je me prépare pour calligraphier. Je veux dire, c'est comme une sorte de méditation, quelque part. Fabriquer son encre, c'est un geste ancestral, voire millénaire. Oui. Parce que en Asie, les lettrés calligraphiaient, mais aussi
Les samouraïs, les guerriers calligraphiaient pour se centrer. Tout à fait. C'est un geste que normalement tout calligraphe adore faire. Ça permet de se mettre en condition. Ça sent bon, oui. Ouais. Ah oui. Qui c'est qui n'a pas de papier? On va déjà apprendre donc à faire un trait horizontal. Quand je tiens le pinceau, je lève et là, ici, c'est ouvert. Je ne ferme pas ici, je ne casse pas le poignet et je ne suis pas comme ça. En fait, il faut être détendu. Je pose mon pinceau. Ah. Et voilà. Je pose mon pinceau. Je ne pars pas tout de suite. Là, je pose aussi et hop. Et surtout, il faut respirer. Oui, c'est vrai que je suis en apnée, là. Voilà. Parce que si on ne respire pas, ça ne coule pas, ça ne marche pas. Se concentrer sur le geste, respirer et ne pas se préoccuper de l'objectif, c'est pas du tout dans notre culture. Moi, depuis tout à l'heure, j'essaye de faire des jolis traits et je suis un peu embêtée parce que ça bave un peu, parce que c'est pas droit. Alors que, bah là, Marinier, ça fait non, 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 c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'avoir le geste juste en respirant pour se centrer sur soi, se concentrer au sens littéral du terme, être centré sur soi. Prendre le temps de le faire sans penser au résultat. Et c'est très agréable. Et hop, je repars. On peut le faire en mouvement, hein, pour le ressentir au niveau du corps. Pour les idéogrammes, il y a un ordre des traits. Ah. Okay. Donc on ne peut pas le faire. Bah, tiens, là, je commence là. Non, non. Donc, d'abord, je vais commencer. Je suis là. Après, comment je fais ça? Je fais un angle. Ici. Comme ça, voilà. Là, j'ai Nietzsche. C'est parti? Oui. Il faut trouver son rythme. Donc là, c'est Fuji-san. La montagne Fuji. Voilà, donc san, c'est la montagne. Du coup, Pascal, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de te mettre debout la première fois? Je pense comme les chanteurs, debout, ils développent mieux, on se détend mieux, je trouve. Ah oui, tu respires mieux, t'as que la colonne d'air. Et... Moi, je le fais debout parce qu'on m'a enlevé ma chaise. C'est une montagne qui flotte. Je la ressentais comme ça. Ça va venir, non mais petit à petit, ça va venir. Il faut faire des pages et des pages. Ouais, je perçois. Ben c'est ça, on comprend. Mais... Intellectuellement, on comprend. Voilà, il faut faire ça. Mais le corps, il ne suit pas encore. C'est ça. Ah, c'est incroyable. Voilà, là, c'est mieux. Mais en fait, pour moi, en termes de sensation, il y a quelque chose de très agréable. Oui, mais ça se voit. Alors, en plus, voilà. Alors là, franchement, voilà. Merci, l'Ardèche. Mais non, mais ce que je trouve incroyable, c'est que ces traits-là, qui dans un sens hein, sont tout moches, enfin ça ressemble à rien, et ben c'est hyper agréable le geste. Hein. Et du coup, d'un seul coup, je me dis, mais c'est ça en fait que tu... C'est ça qu'il faut chercher, qu'il faut ressentir, c'est la sensation. Voilà, c'est ce geste qui est agréable, et tu essaies de respirer en même temps, et ça ressemble à une danse, et tu danses avec tout ton corps, donc d'un seul coup, tu fais « Ah !» C'est ce qu'on Parce que nous, notre écriture, l'alphabet, c'est ce que je dis, on utilise juste le poignet, juste la main, on est un peu focalisé sur la main, et on oublie notre corps. Alors que là, il faut, au contraire, c'est tout le corps qui bouge. Mais alors du coup, toi qui as pratiqué quand même déjà beaucoup, est-ce que tout cet enseignement de l'écriture japonaise, tu arrives à le ramener dans ta vie quotidienne? Quand je fais une chose, je suis dans je suis dans mon acte. Je me focalise sur quelque chose. Voilà, j'ai pas l'esprit ailleurs. En train de projeter, est-ce que ça va être réussi? Non. Qu'est-ce qu'on Non. Et c'est vrai que ça, par contre, la calligraphie, ça m'a beaucoup apporté là-dessus. D'accord. Être dans l'instant, là, maintenant. Mais la concentration, c'est ça aussi. Voilà. La méditation, théoriquement, c'est ça. C'est ça.
Ben merci hein, pour votre accueil. Merci Sandrine. Alors si vous avez aimé nous voir calligraphier, rendez-vous le 20 janvier à Saint-Jean-en-Royans. Dans la Drôme. Pour un stage de kakizomé, animé par Sandrine, toujours. Et kakizomé, ça veut dire la première calligraphie de l'année. C'est le vœu qu'on se souhaite à soi-même. Et puis maintenant, à vous d'essayer, à vous de pratiquer. Choisissez une voie et dites-moi celle qui vous convient le mieux. À très bientôt, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Et on salue. Et merci beaucoup. J'ai un pied en Ardèche, dans un village Pio. Pio ? Un village Pio ? Un village, c'est pas un village, c'est un vignoble, et il est pas Pio du tout, il est bio. Un cours de calligraphie japonaise, on me pose pratiquement pas de questions. C'est pas pour ça, mais non, c'est pas ce que je veux dire. Non, mais en fait, elle a touché la botte, mais elle a glissé là-bas. Ah, merci Claude. La voix de l'arc.